Sami famille Amoué Lacaille, juge Benjamin Fils-Aimé décidé marier trois conseillers présidentiels qui impliqués dans le dossier BNC si ou pas présenté dans convocation 8 9 10 décembre 2024. Professeur Eliska Jean-Élisée déclaré conseiller yo pas bénéficier de loi de juridiction. Pour qui ça yo pas bénéficier de loi de juridiction ou bien de immunité présidentielle parce que constitution a établi deux façons pour juger loi de juridiction. Premièrement, faut coûter aller dans élection ou t'es élu par un vote populaire. Deuxièmement, faut qu'on remplit conditions constitution mettait en place les que gagne un vide présidentiel que conseil présidentiel là il pas rempli de conditions ça yo. De ce fait, juge là gagne tout droit pour inviter trois conseillers yo et si conseiller ça yo arrive tomber conseil là après tout craser. Ancien sénateur Edo Zeni déclaré jour monsieur ça yo compté. Fois ça, c'est peuple qui pral ba yo ça yo mérité. Nous pral regarder déclaration ça yo ensemble avec aux amis famille Anouel Lacaille. Police judiciaire nationale d'Haïti de CPJ li mandé Interpol pour marrer ou arrêter trois TikTokers haïtiens qui vivent dans diaspora qui associés à gang vivent ensemble. Gen youn nan monsieur yo qui gagnait déclaration qui très virale sur réseau qui fait tout monde saisir n'a regardé ensemble. Tu n'es pas avec pour un m'a vinn plus gros chef gang qui j'aime connait existe dans pays. M'a foutu le nous tout. Même là, même moi, fais vinn arrêter. Fais vinn arrêter, même moi. Comme nous te connou même sous live avec gang, bokonya m'a parlé avec on dans téléphone même. OK. Et m'gay pour publier tout ça m'a dit avec parce que vraiment pas la veille me fait connaître ma parole. TikToker ça yo c'est Louis Saint Jean-Max alias Ralph Laurent. Nous gagnons Louis Saint Kervens, le grand monsieur qui fait gros déclaration. Père, nous gagnons Prosper et Beata. Donc en ces trois monsieur dame ça yo qui vivent dans diaspora donc qui est en live avec un monsieur vivant sans mio, eh bien, DCPJ mandé Interpol pour marier monsieur yo. De l'autre côté, 4 moun mouri, gen 3 ti moun, ak 3 lotes qui disparaissent, gen 13 blessés, 60 moun qui obligé déplacer, quitter la kayo, c'est bilan partiel de inondation dans le département Grand'Anse. Donc, selon Christine Mokele, qui est directrice protection civile dans le département Sila, il était sous Magic 9 et jeudi 4 décembre nan côté que Mokele dit yo noté en pile et dégâts dans secteur agricole et zami famille nou yo. Donc il y a en pile dégâts tout yo enregistré dans ville au Cap et après inondation ça donc qui frappé ville au Cap donc qui provoqué par la pluie qui a tombé sur ville au Cap. Ça c'est quelques images que nous gagnons zami et famille nou yo. Avocat qui défend Emmanuel Vertiller qui s'est mettre à guerre du Blaise, il conteste décision juge Benjamin Fils-Aimé qui convoqué donc un client lié Emmanuel Vertiller donc un cabinet d'instruction dans cas de BNC et eh bien lui parler de question de loi de juridiction donc lui et contester décision ça en coup d'appel comme quoi que juge là lui-même il pas gagné et compétence pour que lui instruit et dossier ça que Emmanuel Vertiller les que il était dans Oasis là il était dans cadre de fonction lui en tant que de président donc Emmanuel Vertiller lui jouit de immunité présidentielle et eh bien juge là pas gagné compétence pour ça. Professeur Eliska Jean-Élisée donc qui présentait deux faits qui fait que M. Sayo pas joui immunité présidentielle, que nous avons invité autant de. Et nous avons posé une question qui est extrêmement intéressante, mais également difficile, puisque la question, ça a bien le monde qui t'a dit, c'est les hommes de droit. C'est les hommes de loi qui t'as supposé placer le mot du droit. Mais étant donné que philosophie à droit et un mariage qui côté rencontré, eh bien, à la lumière de René Descartes, qui considère comme la raison comme étant le bon sens, elle dit que tout homme est doté de bon sens. Professeur Céliska est un homme, donc il est normalement doté de bon sens. Ça qui permet que nous placions un mot et permet que auditeurs, auditrices qui attendent là, ni ça avisé, ni ça pas avisé, comprennent qui ça a réglé là.
Et d'abord, il y a deux éléments en question. Il y a deux situations, puisque il y a une situation politique qui est en genre de question, hein, et il y a une situation juridique, parce que il y a un juge qui a lancé un mandat d'invitation à des citoyens, et qui n'a pas répondu, qui je dis a transformé mandat d'invitation en mandat de comparution. Et nous connaissons qui ça gagne dans un mandat de comparution, et le juge est capable de décider qu'il s'il gagne indice ou laisser aller s'il n'a pas trouvé qu'il y a trop de nécessité pour le gagne. Maintenant, à qui est-ce un juge capable de lancer un mandat de comparution? C'est avec des citoyens, de ces citoyens, le monde qui participe par devant le tribunal de droit commun. Mais ça, citoyen, ça a que lancé invitation avec eux. À qui est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui disent que c'est des présidents. Il y a l'autre qui dit que c'est des conseillers présidents. Pour que ça c'est conseiller président, c'est parce que la Constitution a deux façons de faire mon président. C'est soit on saute dans l'élection, le soit on mandat qui saute dans l'élection élu, donc ou bénéficier d'un ensemble de privilèges qui fait de président et ou gagne de. Bah, il doit lui dire l'élection pas organisée, dans une situation. On nous présente les en transition et lui dit mais qui côté autorité ou t'es sorti le ça autorité ça yo yo cap ba légitime mais yo légalement établi et yo gagné de privilège de juridique. C'est une compromission politique qui c'est une entente entre guillemets politique qui mettait yo là. C'est ça que ça yo parlé au président, yo le de conseiller président. Donc, est-ce que moun sa yo doit gagner même privilège à un président? D'abord, la Constitution a dit, mais qui est moun qui gagne privilège sa yo, c'est son sort d'élection, ou bien c'est son constitution qui te prévoit pour capable d'une président pendant un vide, laisse ça bien même privilège avec moun qui sort d'élection. Maintenant, si vous pas gagné tout de samedi yo là, eh bien, logiquement, tu as supposé passer par un événement tribunal. Ça, c'est le premier élément. Mais deuxième élément, bon logique qu'on pile moun fait de yo à qui kembe. Puisque même si monsieur yo ou bien monsieur dame yo ta bénéficie d'un privilège de juridiction, à partir du moment yo prend route pour y aller permettre que bon tribunal qui tende yo et qui fait de rapport, qui fait de considération, qui disponible, qui capable de décider par l'autre tribunal, le ça ou ouvrir la voie à possibilité pour le tende yo. Maintenant, moi-même m'a dit, il y a un pile autorité en Haïti, mais même ça va gagner un pile autorité qui, pendant yo gen pouvoir, mais pendant yo gen responsabilité, la justice va débrouiller et aller devant la justice. Ça va gagner un pile monde. Mais cependant, je dis toujours, si on va gagner un caché, un jugement de pouvoir, même pas ça qui est un problème pour mon juge, pour mon aller devant le juge, si on va gagner un caché. Maintenant, ça qui est là, moi-même, professeur Céliska, nous-mêmes, au niveau chemin de livres Haïti, nous t'attendons à tout bagaille ça yo. C'est ça qui fait. Le président Jovenel assassiné dans la condition où assassiné là, nous t'es clair sur ça. Nous t'es dit seul moyen pour nous pas tomber dans l'histoire banque, dans la bêtise, c'est seul un juge de la Cour de cassation qui est capable d'éviter bêtise. Bon, 40 mois après, bon, bah, c'est ce qu'on fait, bagan et m'bal dit encore là. Je dis à la, nous nous mêlons, nous dans la labyrinthe. Bon, et selon vous-même, l'éclair est monsieur passible devant les tribunaux avec possibilité, bon, quand même, et pour y aller répondre à la question juge là, mais nous ouais dans invitation bien dans convocation juge là dit si au pas vini mandat de comparution a transformé en mandat et d'amener. Mais écoutez Mano, madame Melissa, nous pas connu le mandat et par contre c'est premier mandat ou par contre c'est premier mandat ou même tout mandat de comparution toujours fini par petit phrase là si au pas vini m'a voyer chercher en état. Yo vini yo vini la caillou en pantalette, yo nou en pyjama, n'importe déjà yo y a men on vini dans l'état. Tout mandat de comparution toujours fini par faire ça. Donc moi-même comme un monde qui pas versé dans le domaine du droit, mais qui plus évolué dans la question philosophie. Donc moi-même m'tombé des nues, l'homme tendait de monde de jeunes compétents, brillants avocats qui fait de grandes études et jodi hein qui comprennent que non, tout le monde est aveugle. Non, ce n'est pas parce qu'on dit la vérité qu'il ne faut pas pour le monde. Mais écoutez, mais c'est comme ça, mais c'est pas qu'on a dit, mais m'a dit la vérité. Parce que c'est la vérité qui guide comme le monde. Lorsqu'on a fait droit pour dire comme ça que
les citoyens bénéficier de privilèges de juridiction. Mande finalement li mal li constitution. Constitution dit mais comment pour moun bénéficier de privilèges de juridiction? C'est soit sortir élection, j'ai constitution à prévoir ça ou bien li bénéficier de vide présidentiel là selon ça la loi dit. Mais si son arrangement, son compromission, il pas gagner non de privilèges de juridiction. Non, il ka bay tête de privilèges, de possibilités, machine, l'argent, caille, mais il pas de privilèges de juridiction. C'est pas moi qui dis le mes amis. Et pour ce qui est d'accord avec que CPD ça libre naissance à partir d'un accord et dans l'accord il clairement dit que monsieur yo et on d'accord ça attribution présidentielle. Bon, au contraire, moi même tout me connais un accord, c'est ça qui fait mourir nos compromissions. Parce que si accord a monté, le pas monté dans l'esprit texte de loi. Et ok, dis-moi qui accord, dis-moi qui texte de loi prévoit que nous café comment les bagages s'acclament, bah comment les là, qui gagne 10 points. Donc qui est accord prévoit ça? Qui est texte de loi qui dit ça? C'est-à-dire si vous montez accord, contraire à sa texte de loi, il dit. Moun n'a pas qu'à bénéficier, moun n'a pas le frapper de même sanction texte de loi prévoit. Parce que bon, dis-nous, même président qui saute dans l'élection, nous d'accord avec que la constitution prévoit comment vous traiter le style devant la justice. Mais écoutez, si constitution prévoit de moun qui saute dans l'élection, moun qui prévoit selon norme constitutionnelle là, comment pour combler vide là, constitution prévoit comment vous sanctionner. Donc, ou moun qui pas saute dans l'élection, ou moun qui pas prévoit par loi, yo. On n'a pas commandé pour le même privilège avec pour le même possibilité. Hein? Donc ça veut dire que ça m'a maintenant, dit là. Et qui impact vous pensez décision ça qui fait négo de véritable inculpé qu'a gagné sous fonctionnement conseil présidentiel là? Ah bon? Bon, ça c'est ça sont l'autre cause long. Ça sont l'autre cause. Et malheureusement, et nous sous route là, pays on n'a pas perdu du temps pendant nous dans Kawa. C'est dans le Kawa, oui. Parce que monsieur Dame te dit. Ils ont négocié avec la Jamaïque, avec la classe politique, secteur privé. Ils dit oui, il n'y a pas le conduit pays à l'élection. Conduit pays à l'élection, c'est vous dire, mettez sécurité. Et puis, je vous dis, on voit les gens, maintenant qui banque. Puis, ils ont dit oui, à partir du moment où il y a capable de CPT, il y a capable de 4 personnes, ou 4 ou 6 personnes. Non, le CPT est indivisible. Le CPT est unique. À partir de la dissolution, à partir du retrait, est dissoluble. Le CPT sera inexistant. Et c'est pas moi-même qui t'y scoop. Donc, on va arriver dans une situation côté que, on va briser trois mounes, pas de moyen pour dire qu'on va remplacer, c'est pas un terrain à porter moun. C'est pas un terrain football à porter. On va arriver. Mais pas grand, il y a quitté ça. Non, mais. On a fait bataille là avec juge là. Yo pas occupé juge là même et puis yo continué et jouer privilège et puis de rien n'était, c'est comme si de rien n'était. Non, soit on bagaille comme ça, soit on bagaille comme ça. Nous mettre commencer ramasser valise nous quitter pays à bail. Sinon on bagaille comme ça fait. Non mais écoutez, si on bagaille comme ça, même code diplomatique là pas obligé parler dans bail là. Oh. Pour mon juge ou pas ouais côté faire pays. Pour mon juge inviter au monde ni pas venir juge là faire ce que de droit faire suivi juridique qu'on a dit. Qui ça? Si on bagaille comme ça fait tout le monde met tout bagaille met fermé qui te paye oui. Son bagaille qui très dangereux. Il y a des crédits 10 avril là qui baille 10 avril 2024 là qui baille possibilité pour remplacer yo. Mais écoutez, nous pas notre terrain football là. C'est pas notre terrain football nous comment pour remplacer mon nan ou non championnat. Oui, et c'est comme chaque nèg a font ti go. Donc c'est comme si notre terrain football nous. Non, mais ça fait dangereux. C'est très dangereux, Dario. Faut ne pas blaguer. Ouais, non, guider là, nous pas faire blague. Là, c'est crier pour nous crier. Parce que c'est disparition qui est en face. Non, 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 c'est une question de disparaître. C'est pas que moi, je l'aime pour mon en Haïti crier une rinouille. Et nous crier pour nous là, Kounia. Parce que ça, son drame. Premièrement, c'était déjà son banc qui met 9 mounes chita. Mais Kounia nous dit pour, à partir de banc, pour nous descendre, mes amis, finalement, ça n'a pas payé là.
professeur Seliska, vous pensez option cassation et moun ki tab Geoffrey parmi yo en pile moun k ap tande la ka di ou m'arrêti do et tout parce que dès le départ ou té nan cassation, est-ce que vous pensez option cassation elle ka toujours kembe? Ah, madame Melis en ba même Geoffrey. Geoffrey elle a dit quand on a Geoffrey là qui tombé. En pile moun capteur do la yo konnen yo te konnen déjà point de vue yo te konnen koto te campé yo ka di ou on ti jan ou konnen ou mari ti doit tout ape non mais ça passé m pa t'ap chauffer vrai m te besoin pays m nan pa rentrer dans l'obeil ça m te vle éviter pays à 33 mois et quelques semaines arrière là il fait nouvelle du là trois budget écrasé c'est pas Geoffrey m t'ap Geoffrey non. Parce que moi-même qui commençais à faire pour la sous route, pour la magérie du ville, pas qu'à l'école, tout fait, mais là, nous-mêmes qui t'es dit, nous t'es goûts, mais nous faisons de l'argent là-bas. Nous victimes, moi-même, tout victime, nous sommes de l'argent, business boule, oui, dans la bataille entre M. Azam et la police. Donc, nous ne pouvons pas Geoffrey en remplaçant un exil à la vérité. Parce que le moi-même, je rencontre une personne, une éminente personnalité qui arrive comme nous, mercredi 13 décembre 2023. Li di mame Seliska bagala get en fait déjà résilient tant l'autre tout. Ça manou là c'est nouvelle manou oui. C'est carré comme c'est une éminente personnalité que dit m'a dit bagala get en fait déjà Seliska résilient. Li même pas tel la pour l'autre tout. M'a besoin bagala fini parce que à partir du moment bagala fini, tout monde reprend la vie yo, chaque monde prend responsabilité yo, population bay mandat et puis m'bon garanti bagala fini. Mais qu'on y a là, là on est dans une situation là, pour dire 40 mois dans la 40 mois dans la vie, ou son paquet d'affaires lié. 40 mois dans la vie ti moun, son paquet d'affaires lié, oui madame Belisa. En tout cas, même pas ça Geoffrey, mais gon ti dicton juridique qui dit la défaite du droit n'est qu'éphémère. Quand là c'est là nous pito braler mito en lieu de Geoffrey. Eh ben, conclure pour nous non. Mais même moi penser que maman m'était toujours dit moun fou volé ak moun mouri pa konn ont. Nou ta dwe ap kriye jodi a. Mais malheureusement c'est oui, mwen population a et sa k ap kouri sa à l'aise là, c'est ça mwen. Cependant nou gon pays ki an lambo ka plonge. Pa de moun ki pou ki nan implike nan corruption pou mete dedans. Nou gen 6 ans ainsi de suite économie a plonge descend. Population a continue à quoi? Y a continue voye moun don. C'est kote bouche k ap continue gagne pou manger. C'est pour nous garder comment nous interpeller toute couche vers un sursaut national pour nous résoudre la question de sécurité. Gang, que vous mettez des âmes dans les jeunes timons qui a tracassé la population haïtienne. Dans la boulie, j'ai arrivé. Mais même, je suis plus intéressé pour me résoudre le problème de sécurité qu'il a par la méthode des 4 R: réinsertion, réintégration, réparation et réconciliation nationale comme seul moyen pour y associer dans sa vie. Et c'est semaine de livre, c'est ça, on a continué à mettre sur table là comme débat, parce que nous-mêmes, c'est rôle nous comme scientifiques, comme intellectuels, pour nous mettre l'autre débat sur table là et pour nous permettre que nous nous marchions derrière nous. Et c'est rôle nous ça. Professeur Lan, qui sont à parler, mais avant que nous rentrions dans la déclaration en sénateur Edo Zeni, il faut que nous disions nous avons une bonne nouvelle pour vous, côté que Kassav Nouan, que madame Dominique Dupuy était proposé en 2023 et bien finalement li inscrit dans liste patrimoine culturel immatériel de UNESCO et bien officiellement li rejoigne donc en liste prestigieuse ça que nous gagnons. Côté que nous gagnons Soupan Joumou, nous gagnons Catherine Flon, nous gagnons Suzanne Comer Sylvain et bien nous gagnons site Bois Caïman et bien yo même yo rentré dans et liste UNESCO hein, comme patrimoine et national et amis et famille nous yo. Eh bien madame Dominique Dupuy li déclaré pendant intervention li hein, que li te fait que nous avons invité au temps des déclarations que li te fait eh bien nous pral gen compagnon hein, qui c'est musique et que nous habitué dans ces rythmes musique que nous habitué dans ces qui c'est rythme musique national donc à pays d'Haïti hein, eh bien li gento pour li inscrit au dans et liste ça et non UNESCO dans année 2025 la cap vini là selon madame Dominique Dupuy qui t'ai fait une courte déclaration en tande. L'international de la Kassav est d'une grande importance symbolique pour Haïti. Elle représente une facette de notre identité et nous rappelle que notre histoire est enracinée dans des traditions millénaires.
La CASAB est un élément témoin de la rencontre brutale entre l'Europe et l'Amérique, où les Taïnous ont su transmettre l'art de la transformation du manioc aux Africains esclavisés. En tant que gardiens de ce savoir-faire, nous avons le devoir de le préserver et de le transmettre aux générations futures. Hi, si madame, ça allait même la travail, donc malgré que nous yo t'ai retiré les dans gouvernement parce que l'étape travail il était déjà travail donc c'est œuvre jusqu'à présent là donc qui a porté fruit jusqu'à présent là zanmi famille à noue la caillou donc c'est œuvre madame nous souhaitons que ministre affaires étrangères qui là actuellement qui c'est Hector Jean-Baptiste que monsieur lui-même l'a fait démarche auprès donc de Grande-Bretagne côté pour l'a refait nous joindre ak original indépendance là que madame Dominique Dupuis lui-même l'était commencé faire démarche que monsieur t'a fait suivi donc nous espérer que li gen capacité pour que li ait fait ça jodi an gen Guiller c'est Delva donc qui était débarqué devant Primati et jodi an là côté que l'ité voyé message by ministre là qui c'est Didier Fizeme donc en sous décision donc en Konatel prend pour bloquer émission Boukanté et la parole donc li était parlé dans micro Anouel Akay comme ça que n'a pas invité donc entendez comment que Guiller c'est Delva lui-même et t'a parlé et puis tout li et mandé justice pour et journaliste et Tess Gary donc qui assassiné qui mouri assassiné dans Okay n'a rappelé nos dossiers ça donc qui mettait donc un commissaire Richemont à terre donc entendez déclaration que Guiller c'est Delva lui-même fait dans micro non CPTA devant village d'accueil pour nous dire CPTA que dictature nous prendre nous va vler nous rejeter déjà et nous va vler. Moi, je pense que à partir de jeudi, il faut se péter à connaître que désormais, il est dans la catégorie de prédateurs de liberté de la presse. Que l'Ichita, comme s'il a comploté pour empêcher les journalistes de travailler. Et au gouvernement qui vient là, qui dit qu'il a fait état de droit, il a fait justice. Et puis, qu'on a toute préoccupation, c'est pour pouvoir suspendre l'émission qui a fonctionné, qui a exercé la liberté que la loi garantit. Donc, nous avons demandé ce CPTA pour tout d'un tel entrer musique le brun contre vous cantez la parole là. Parce que ce n'est pas seulement pour vous cantez la parole. Ce sont des actes gros poètes qui fait contre la démocratie, contre la liberté de la parole. Et nous dit que ça n'est pas passé. Même dans mes CPTA comprendre. Côté là, il n'y a pas qu'à sortir. Là, ou bien il a sorti l'aide. L'idée, j'ai sorti l'aide. Et vous souhaitez qu'il y a une décision pour essayer de corriger. Ça a commencé déjà. Pour ne pas venir plus grave. Parce qu'actuellement, là, dans le monde entier, il y a falsa à parler. Et nous avons des organisations de presse internationales qui mobilisent ces questions. L'OPRA, par exemple, CPJ. CPJ, c'est le Comité to Protect Journalists. C'est à travers le monde que lié. Il y a une autre organisation qui a programmé pour condamner ça, CPT à faire. Le plan international. Donc, je ne sais pas pourquoi ça au gouvernement, nous CPT, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui était qui doit intéresser pour la traiter. Comme si essayer de faire répression. Et là, signe ça, ça veut dire que le gouvernement, CPT, il prend une décision pour faire dictature dans le pays. Donc, pour le faire, pour lui réussir, la presse est baïonnée la presse. Mais c'est sur erreur parce que ça n'est pas passé. Je ne garantis pas qu'il n'y ait aucun moyen de réussir. Mais il y a PCL, si effectivement nous pas dire, la société n'a pas dit rien, il y a tout entré là-dedans net. Mais moi, je répète pour CVT. Ça, c'est bien compté, mal calculé. Ça n'a pas passé. Aucun moyen sur la tête que ça va le passer. Que dictature, ça va le passer. L'autre bain de parler, nous voulons souligner un cas extrêmement grave. Un journaliste qui a assassiné justement, au CAI, il a parlé de Gaïtès. Que le gouvernement, depuis longtemps, n'a pas discuté de César. Et il n'y a pas jamais qu'à prendre une décision. Dernièrement, à cause de l'insistance SOS journaliste, il était obligé d'écarter le commissaire gouvernement Ronald Richemont. Il a écarté, mais l'a écarté là. Il n'y a pas de paquet. Mais il peut qu'il y ait un statut de magistrat.
il va révoquer. Donc ça fait longtemps on a demandé pour révoquer un enrichissement qui pas jamais fait. Donc quand il y a ça c'est mauvais exemple pour continuer à attaquer les journalistes parce qu'il y aurait comme si l'autre attaque aux journalistes, on n'est pas arrivé. Donc nous avec le gouvernement, alors le dossier a été déjà dans MRH que l'ancien ministre était là et il a pris une décision parce que l'enquête était faite. Et il a dit que le dossier était dans OMRH, que le dossier a fini de traiter, mais il faut que le premier ministre signe pour que le cas effectif. Donc tout ça, nous avons dit, vous CPTA, agis vite, vite sur nous. Nous attendons encore nous temps déjà. Donc, moi-même, je souhaite un gouvernement qui est venu là, dans un contexte comme ça, ce n'est pas une élection à l'aide. C'est un concours de circonstances qui permet tout là. Donc, moi-même, je crois que CPTA va au saisir, il n'a pas le choix. Rentrer des décisions, et que vous prenez la parole sur Radio Mega. Et puis, le dossier OKLA, vous traitez rapidement, parce que tout ça a contribué à plus d'attaques contre la presse. Vous avez dit que nous marchons dans la démarche que Guerrier a fait, le chef gang a parlé de la station radio, nous avons dit ça. Oui, vraiment. Je ne suis pas un journaliste à poser des questions. Dans le cas où on n'a pas à retourner sur la décision, quelle prochaine étape nous? Je ne suis pas retourner. Il n'y a aucune chance pour retourner. Aucune chance pour ne pas retourner sur ça. Parce que c'est ça qui a fini, il n'y a pas de responsabilité. Il n'est pas nécessaire. Alors, comment vous travaillez la presse là dans la situation là, généralisé. Allez, vous pouvez vous en laisser. Continuez de poser question. Oui. Bon. Nous-mêmes, nous connaissons la presse qui travaille pour ça. Nous ne pas dire la presse comme si c'était un peu mais ce n'est pas le gouvernement qui peut venir pour dire que la presse fonctionne. La presse qui est réglable, que le CPT n'a pas forcément maîtrisé. Donc, journalistes, nous-mêmes, nous avons une initiative déjà que nous allons lancer pour que l'éthique, pour les journalistes respectent l'éthique. Et moi-même, je suis journaliste professionnel. Je travaille pour la presse internationale. Vous savez, ça veut dire. Donc, mais ce n'est pas sous pression, ce n'est pas sous menace, bon, mode d'acte habituel, que ça parle pas. Monsieur Tandy, SOS journaliste, demandez-vous de protection journaliste? Certainement, certainement, oui. Et nous dit que, pas que démocratie, c'est la presse. Le gouvernement l'a fait répression, l'a cherché à faire une répression contre la presse. C'est dictateur là-dedans. Je pense que les partenaires, c'est des dictateurs. Alors, je fais des balles de menti. Je vais rendre des décisions rapidement. Et puis, pour conformer normalement à la loi, à la Constitution. Mais, si on ne fait pas, ça veut dire que c'est des hors la loi, c'est des groupes en être. Et en aucun cas, il n'y a pas de carité sur le pouvoir. Ok, voilà. Avant que nous allions plus loin, si vous pouvez vous abonner avec Chanel là, nous invitez à faire ça. Pesez le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Pour qu'Avin fait partie de famille ça, même gens avec Claudine Louisin, même gens avec Yvette qui toujours a supporté. Ancien sénateur Edezeni intervenu matin, côté que Lydie Avni, conseil présidentiel là, li compté. Donc, monsieur qui était 10 mois. Dans 10 mois ça, est-ce que y a qu'à faire élection, est-ce que y a qu'à mettre sécurité dans le pays, hein? Donc selon sénateur Edezeni, donc monsieur pas qu'à gantan fait toute bagaille ça yo, mais peuple là a gantan mettre yo à terre. Donc selon constat yo qui visible qui palpable zami famille nou yo. Donc il était intervenu comme ça que nous pral inviter ou tendez ensemble avec et si que ou gagne commentaire, pas oublier la gueule en bas vidéo. Et l'avenir de Baïsa, on va voir que la rue Mounbal dans la rue pour massacre, Jacques Mel va lever, Okaï va lever, Jérémy va lever, Okap va lever, Saint-Marc, tout côté, plateau central, tout côté va lever, nord-est, nord-ouest va lever. Et puis nous allons dire que Nexa va y aller, et on va l'obliger à aller, et là, on va la cassation. Ce que depuis la première fois, on a fait. Et émission avant là, nous n'avons pas l'autre choix que cassation. Mm-hmm. Et cassation, on peut le dire, et puis changer la constitution,
faut une constitution présidentielle, changer ça qui est pour changer en de constitution. Mm-hmm. On ne peut pas rapidement un président de la République pas mettre un directeur de la police et puis pas révoquer. On va révoquer, le directeur s'est salué. Rapidement, je me souviens que Jovenel Moïse m'avait appelé pour me dire que le directeur de la police a fait serrer le lieu de tirer sous les AKE. Directeur police là, pas jamais le pouvoir, ça dit que vous êtes là, qui bâti là, parce que tout court après le film bail. Donc, M. Pahamre le président, et puis toute la presse a dit que sous le président AKE. M. Pahamre le président, le président a pédéré en 2019, en 2016, que filmé de M. Ate. Dans trois mois, l'autre, l'après le premier ministre, Henri Séan, par exemple, il dit Henri Séan, ça devant ce domaine, il dit, mais ça, président, il dit, il ne connaît pas le caca, mais même il dit ça devant, il dit, mais ça, président, il dit, le président, il dit, je ne pas répondre, parce que M. Dégita, ou le président, et le directeur police parallèle, ça veut dire un président de la République, qu'après le directeur de la police, qui parle de téléphonie, un premier ministre qui parle de téléphone, il faut corriger la idée. Il faut que le président ait le pouvoir de révoquer. Si, même pas le premier ministre, ça dit tout. C'est régime présidentiel, un vice-président. Tout ça qui vient problème avec la Constitution, il faut adapter à la réalité haïtienne. Et c'est ça pour nous faire. Donc, moi, là pour finir, mon frère. Merci. À 99%, dans 6 mois encore, si nous avons comme ça, le peuple a jeté. Il a jeté et nous allons en cassation. Et nous allons recommencer encore. Parce que nous allons obliger de prendre 2 ans encore, 3 ans pour faire l'élection. Pour beaucoup d'élection. Pour beaucoup d'élection. Blâmer, il y a pour adopter. Et pourquoi il y a des gens qui ont fait l'élection là? Avec toutes les dimensions, qui est papier dans tous les côtés, qui sont importants, mais ou pourquoi on est prêt pour faire l'élection là? Tout autant qu'on pas. Retirer, pour retirer en pile problème, Ou bien négocier avec, comme tu nous dis, malgré tout mal fait, parce qu'on vient de négocier avec Israël et le Liban, il y a eu 27 000 morts dans l'espace de combien de jours, et Hamas, il y a 45 000 morts entre Israël et l'a négocié là. Donc, pas rien qui vous fait pour ne pas négocier. Même l'autre des vivants sont très méchants. Oui, ils sont méchants. Il ne faut pas qu'être des autres. Oui, le classe, un bon pays, un pays qui. Qui va au fait, il écrasé, oui. Mais pour nous résoudre le problème, il y a un pile de bagages qui vous fait. Il y a un pile haut niveau, il y a un pile dimension. Et il y a un pile de bagages pour nous faire des dîmes, pas faire ci, pas faire là. Au nom des 12 millions haïtiens, au nom de diaspora, au nom de tout le monde qui fait une bâtisse, vagabond volé, mais la sapate volé, mais qui fait 15 ans travailler aux États-Unis, en France, partout ailleurs, pour faire petit cobio, nous faut voler, il faut une négociation. Si nous n'avons pas de négociation, nous n'avons pas de négocier avec eux, c'est lever l'hélicoptère, l'armée américaine, venir mettre l'homme dans des zones. Point final, pas un menti, pas de la fête des nationalistes encore. Merci, sénateur. C'est nous qui avons tiré, nous encore, et pas dominicains. Même pas, yo. C'était ancien sénateur Edo Zenis, en famille Amoué Lakayo, donc qui parlait de avenir de conseil présidentiel, ça, donc qui est vraiment compté selon ça que. Et Edo Zenis lui-même les déclarer fait yo là que tout le monde kawel que monsieur yo pas réglé rien pour résoudre et sécurité qui est vraiment compliqué dans moment que monsieur vivant ensemble yo et a frappé donc faut que maîtriser nèg sa yo d'abord pour que yo ka organiser élection et puis pour faire référendum pour yo remanier constitution genre que et trois gros sentiers ça que et transition a gagné pour le faire. Wadim, qui ça que vous pensez? Est-ce que finalement que conseil ça l'a pas arrivé à objectif li réaliser élection ou bien que jour monsieur yo compter Jean que ancien sénateur là lui-même déclaré là. Si que pourquoi abonner avec channel là, nous inviter au faire ça, peser bouton de notification pour rater aucune vidéo. Moi même après joindre moi dans prochaine vidéo qui apparaît sur écran que moi inviter au cliquer kounia.